voulais vous déranger un peu et pour vous donner le programme du Daichi Khan. Cette année, je suis très nerveux parce que j'ai beaucoup été frustré. J'ai beaucoup été frustré et j'ai mis toute la rage dans mon album. L'album est enfin terminé, la Chine. Ouais. L'album est terminé. Je vous avais promis qu'en 2018, votre album allait sortir. Et en 2018, l'album sort. Oui. Voilà. L'album arrive. Et trop parler, ça donne tabé. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, mais depuis ton album, tu annonces, ça sort jamais. Oui, tout ce qui est bon dure. Vous allez comprendre pourquoi cet album a duré. Mais en tout cas, j'avais prévenu, pareil pour le Dos Sabado, que beaucoup allaient jeter leur téléphone. Et je sais que beaucoup ont jeté leur téléphone. Tellement je vous ai surpris. C'était ça la surprise. Je vous ai surpris comme ça. Beaucoup pensaient que c'est le son qui allait arriver. En même temps. Bam! Ouais. C'est pour ça que je suis trop rapide en fait. Voilà. Donc la Chine, l'album est fini. Apprêtez-vous. En tout cas, 2019 n'arrivera pas sans votre album. Ouais. On a sorti Enfant Béni. C'est un titre de l'album. C'est un titre qui sera aussi sur mon album. On a envoyé Faut chercher pour toi. Ouais. C'est un titre qui sera disponible sur mon album aussi. Et là, je viens d'envoyer Dos Sabado qui est en train de terrasser et de terrifier toute l'Afrique et le monde entier. Vraiment. Merci à vous, merci à tous les fans qui me soutiennent. Voilà, donc vous avez vu mon programme pour le mois de juillet. Ok? Donc le 15 août, j'invite tout Abidjan. Je dis bien ce 15 août, j'invite tout Abidjan. Au Yolo Nightclub, je serai en showcase. J'arrive, prestation, tout. F, enfant béni, faut chercher pour toi, Dos Sabado, tous les sons qui ont moussé, Gessi Mindika, oui, c'est le show de DJ Arafat. J'arrive avec Mayoro Gang aussi. Ça ne veut pas dire que, voilà, tenue correcte exigée, parce qu'il y aura le maximum de sécurité. Oui, il y aura le maximum de sécurité. Moi-même, ma sécurité déjà me suffit. Parce que j'ai au total au moins 15 gardes de corps. Donc en plus, je rassure tous les fans qu'il n'y aura même pas de palabre, il n'y aura rien du tout. La sécurité sera garantie. Tenue correcte exigée. Voilà, c'est un mouvement de choco. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui veulent plus d'informations sur la soirée du 15 août à Abidjan, joignez DJ Rod. C'est ma soeur. DJ Rod depuis Abidjan. Voilà. Ou voyez Sony. Voilà, pour ceux qui connaissent de qui je parle, qui connaissent les personnes de qui je parle autant pour moi, ben, ouais, la soirée sera ce 15 août 2018 du côté d'Abidjan, précisément au Yolo Nightclub, collé à l'école qui est à côté là. Il y a une école là. Bon, en gros, c'est sur le latrio de plateau. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais rentrer au pays. Sauf que je ne suis pas rentré depuis, parce que ici, vous avez vu tout le programme que j'ai mis. J'ai des spectacles à faire. J'ai plein de choses à faire. Je préfère finir tout ça une bonne fois pour toutes. Et après, je rentre à Abidjan tranquillement. Et voilà. Chacun va qu'à ses occupations. Et ce que moi, j'ai à faire, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Qui je dois aller voir, je vais aller voir qui je dois aller voir. Merci encore de soutenir le Dos Sabado. Oui, le Dos Sabado, c'est une inspiration. Je me lavais dans la douche. Voilà, et puis j'étais en train d'écouter un son, un beat assez bizarre qui vient un peu des pays que vous savez, hein, tout ce qui est afrobeat et tout. Donc je me suis inspiré de ça et puis j'ai décidé de coller mon coupé décalé à ça. Je vois plein de personnes qui disent qui ont critiqué le son. C'est normal, un son doit être critiqué. Voilà, un son ne peut pas être totalement bon à 100%, ça doit être critiqué. Et sans vous en rendre compte, vous les rageux d'Arafat, voilà, si vous me regardez, voilà, je ne sais pas pourquoi vous avez la Gérard contre moi, voilà, mais sachez que ben, vous m'aidez, hein. Vous m'aidez énormément, parce que vous avez vu, de 2012 jusqu'à aujourd'hui, à force, j'ai dit non, ce sont
Ces sons ne valent rien. Il y a du bruit, boum, boum, pa, boum, 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 dedans. Mais écoutez, je suis venu avec les roucascas. Hein. Voilà, le couplet décalé, ce n'est pas le président Douxaga qui m'a dit que le couplet décalé, c'est un concept. Nous, on n'est pas là pour parler de... Nous, on n'est pas là pour faire réfléchir les gens. Nous, on est là pour apporter de la joie. On m'a jamais dit de dire ça, au fait. Sauf que quand j'ai commencé le couplet décalé, moi, je suis quand même un devancier. Hein. C'est pas que je suis âgé ou je suis vieux. Non, je suis un jeune. Mais j'ai commencé petit avec les grands frères. Les Douxaga, les Moulas, tout le monde. J'ai commencé petit avec eux. Moi, j'étais petit et puis on tournait déjà ensemble. J'avais 18 ans quand j'ai sorti Hommage à Jonathan en 2004. Donc, calculé de 2004 jusqu'à aujourd'hui. Si le président Douxaga vivait aujourd'hui, ben, il sait. Voilà. Et puis, il n'y a pas un artiste qui l'aimait en Côte d'Ivoire à part Arafat. Oui, je vous l'ai dit. Partout, il partait, il était avec moi. Il me prenait comme son bon petit. Tel que je suis avec le Moula, tel que je suis avec tous les grands frères même de la jet. C'est Chakoulé, que je salue de Grando. Je salue aussi le vieux Lino Versace. Je salue tous les membres de la jet. C'est Bedel Patassé. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé tôt. Hein? Vous voyez un peu le délire? Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis l'artiste le plus influent d'Afrique, d'après Forbes Magazine. Ce n'est pas moi qui me suis trop proclamé, autant pour moi, artiste influent. Mais bon, ce n'est pas des milliards, on ne donne pas des milliards. Ce n'est pas pour dire, tiens, voilà, là, c'est milliards, tu es artiste influent, non. Influent parce que l'Afrique parle de moi. Voilà, en bien ou en mal, en tout cas. Les rageux, sachez que vous me donnez trop d'inspiration. C'est tellement vous m'avez fait mal, sans vous en rendre compte. Là. Ouais, vous me faites mal quand vous insultez. Mais moi, personnellement, vous savez que ça me fait pas mal. Hein. Parce que moi, j'utilise ces ingénieurs-là, au fait, pour travailler, vous donner des sons framponnants comme enfant béni. Il faut chercher pour toi, puis vous avez vu dos, sabato. Donc, si c'est pour amplifier mes pouvoirs, hein, continuez de m'insulter. Insultez-moi, ça me plaît. Et c'est plaisant parce que ça me permet de plus m'améliorer. Donc, c'est pas mieux, vous écoutez. Voyez là, là où il est certain d'aller là. Pas bon. Hein? La Chine, merci d'être resté. Voilà. Hein? À me regarder. Et j'espère que vous avez kiffé ce petit direct. Vous avez le programme. Soyez tous ceux qui peuvent. Hein? Voilà. Tous les fans d'Arafat qui peuvent être ce samedi 7 juillet du côté des quais. Hein? À Paris, Wanderlust, vous connaissez non, le Wanderlust, voilà. Venez, car c'est la première fois que je vais faire un spectacle comme ça, hein, avec plusieurs communautés. Voilà, je serai en showcase. Voilà, donc venez, venez voir comment le dos sabado va framponner, même les gratter et toutes les personnes. Venez. Venez, on va samedi 7 juillet. C'est la première date de juillet. Premier spectacle. C'est-à-dire que quand il est fini normalement mon spectacle de Rennes, quand il redescend sur Paris, quand on dit samedi 7 juillet, si tu es en train de faire des choses, tu as des choses à faire, ma chérie, ou bien mon ami, arrête. Viens voir Dos Sabado. Viens voir le spectacle qui va se passer ce samedi 7 juillet dans la France, précisément à Paris. Oh, ils vont me sentir balèze. Donc on est ensemble la Chine. Merci du soutien et partagez le lien du clip. 10 dollars là, c'est pas dans la bouche en gagne 10 dollars. Allez-y ici 10 heures, allez-y écouter le son. Abonnez-vous en premium. Je dis bien abonnez-vous en premium sur 10 heures. Il y aura plus de sons de DJ Arafat gratuits. Ça je vous dis, ça n'existe plus. Pendant 15 ans, vous avez eu des sons gratuits. Voilà, aujourd'hui, il faut maintenant que l'artiste puisse vous donner des clips de qualité, des sons de qualité. Et la meilleure manière de montrer à votre artiste que vous êtes prêt pour lui, c'est d'acheter ses œuvres et c'est d'aller écouter. Voilà, parce que si vous ne partez pas écouter Dos Sabado, mais il faut chercher pour toi. Vous croyez que l'album, là, quand ça sorti là, c'est comment? Vous croyez que l'album, là, c'est là où, au fait? L'album sera sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de téléchargement, il n'y a pas de problème. Mais... il ne faut pas oublier la base qui est la base. Voilà, il y aura une base et vous-même serez étonné parce que mon album sera disponible pour tout le monde. Pour ceux qui connaissent Internet, internez-vous. Pour ceux qui ne connaissent pas Internet, qui sont dans la réalité des choses, Jean Fafa, moi, ma château d'Oyeux, puis mon CD, clair, clair, tenez pas d'affaires WhatsApp ou Internet.
Ok, il y a le monde réel aussi. Allez-y dans la réalité, mais réalisez-vous vous-même. Voilà, c'est simple comme dans l'eau à boire. Hein? C'est un album de feu qui arrive. Trop parler, ça donne ta paix. Beaucoup vont comprendre pourquoi cet album a mis du temps. Hey! Non, à force de faire direct du camomère, dépasser porte où je dois sortir la mire tête, ouais. Bon, je vais essayer de sortir là. Hein. C'est dangereux ça. Oh merde. Madre Nakata. Hein? J'ai loupé ma route. Regardez. J'ai loupé ma route. Oh putain, allez, Paris. Laisse tomber. Oh. Ouais, j'étais trop à fond dans le discours là. Donc j'entends ça. Voilà. Donc, c'est ça quoi, les gars. Hein? Vous voulez connaître Dixdor, il faut vous abonner massivement sur ma chaîne Deezer, Spotify, Amazon. Oui. Là, vous partez écouter vos sons sur Deezer et Spotify. Plus vous écoutez, et c'est en fonction du nombre d'écoutes. Surtout quand vous êtes abonné en Premium, parce que Deezer et Spotify et YouTube MP3 aujourd'hui qui est disponible, toutes les plateformes de téléchargement aujourd'hui prennent en compte que les écoutes de ceux qui sont abonnés en Premium. Ça veut dire Premium veut dire quoi? Si toi tu as payé 100 francs, on te dit place normale c'est 100 francs. Tu as payé 100 francs, c'est que tu vas recevoir le traitement de 100 francs. On te dit dans le même coin quoi là, il y a les places de 200 francs CFA. C'est vrai, c'est un peu plus cher, mais au moins là-bas, quand tu es là-bas, tu es à l'aise. On t'envoie les champagnes, les coca, les... Je sais pas si vous comprenez un peu le délire. Hein? Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous abonner en Premium. Parce qu'en Premium, il n'y a que les écoutes de ceux qui sont en Premium qui sont pris en compte. C'est tout. Hein? Donc, au lieu de parler ou de dire, non, on n'a pas le son, on n'a pas le son. Mais tu n'as pas fallu payer, champion. Tu ne vas pas voir ça gratuit. Mais si ton ami a vu, il a ça dans son téléphone. Si tu l'as managé, en tout cas, c'est pas comment t'as rien. Mais voilà quoi. Il n'y a plus de son gratuit avec Arafat DJ désormais. Voilà, donc on est ensemble la Chine. Et ça, chacun, j'en vos armes. Oui, j'en vos armes. Mais, faut être muni d'une carte bleue. Voilà. Donc, pour ceux, à tous mes fans qui n'ont pas de carte bleue, malgré qu'ils aient loupé ma route. Dieu, toi, vous êtes bouddha, je ne peux pas faire ma charrière aussi. Madre. Bon, donc, les fans, ayez une carte bleue. Hein? Ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont au Burkina, ceux qui sont à Lomé, ceux qui sont au Niger, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont à Paris, en tout cas, tous mes fans qui sont dans tout le monde. Bon, mes fans d'Europe, eux, il y a fouille. Beaucoup ont des cartes bleues. Je ne dis pas que mes fans d'Afrique, beaucoup n'ont pas de cartes bleues. Je ne suis pas là pour tenir, mais ce n'est pas tout le monde qui a une carte bleue. Hein? Ok? Donc, allez-y déjà, trouvez une carte bleue. U. C'est écrit dessus. U. Attends, s'il n'y a pas ça, c'est mal. Je vais vous montrer la carte là. C'est une carte. J'arrive, hein? Je vais vous montrer la carte là rapidement, comme ça vous allez voir quelle carte faut aller acheter pour pouvoir s'abonner sur Deezer pour aller écouter l'album de DJ Arafat, votre artiste qui va sortir son album. Parce que si vous n'avez pas de carte bleue, vous ne pouvez pas vous abonner sur Deezer Spotify. Voilà, il vous faut cette carte là. Vous voyez, non? Voilà, il vous faut ça. Il y a mon nom dessus, moi. Voilà, vous voyez, non? Il faut cette carte là. Une fois que vous avez cette carte-là, vous pouvez payer, vous pouvez vous abonner sur Deezer et tout ça en Premium. Ça ne coûte même pas cher, ça doit coûter 10 000 euros, je ne sais pas combien. C'est vrai, ce n'est pas moi qui vous donne l'argent, mais bon. Comme je suis votre artiste, si vous ne faites pas ça, là, on ne va jamais avoir les Dixdor. Oui, on ne va jamais avoir les Dixdor. Donc, il faut dès maintenant s'abonner avant la sortie de l'album. Là, comme ça, au moins, quand tu es abonné, quand l'album sort, là, si toi tu es déjà abonné, là, au fait, tu ne payes plus 5 francs en fait. Quand tu es déjà abonné sur Deezer, Spotify, ou on te dit d'aller t'abonner pour que ton artiste ait 10 dollars. Une fois que tu payes pour aller en Premium, le jour que mon album sort, ça va venir automatiquement dans ta bibliothèque Deezer. Ça sera sur ton téléphone. Et en plus, ce n'est pas seulement l'album de ton artiste, Arafat, tu vas écouter. Tu peux écouter toutes les musiques du monde cadeau pendant un an. Pendant un an, tu écoutes toutes les musiques du monde cadeau. On a qu'à dire n'importe quel artiste sort son album, tu écoutes ça cadeau. C'est pas mieux. Hein? Voilà, donc on est ensemble et puis que Dieu vous bénisse. Merci encore, bon week-end à vous. Pas trop d'alcool au volant. Hein? Et puis bon, quand vous faites l'amour, protégez-vous. Hein? Et pour les enfants qui viennent d'entendre ça,
Vous n'avez rien entendu, vous avez compris, non? Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien entendu. Allez, mais ça va, oui. Oh, il y a la police qui est...